Donc c'est un message pour la police et la gendarmerie qui vont devoir faire appliquer une décision jupitérienne portant une nouvelle fois atteinte à la liberté de nos citoyens. Ils seront livrés à eux-mêmes face à l'incompréhension et au sentiment d'injustice légitime pendant que les personnes donnent des leçons protégées par la complaisance des médias et l'usage des forces de l'ordre, leur seul avantage. À vous, policiers et gendarmes, de recevoir les critiques face à la destruction de nos services hospitaliers. À vous de répondre à l'incompréhension quant au métro bondé, aux cantines ouvertes, à la prédominance des foyers de contamination en entreprise et surtout à l'incapacité de ces gouvernements à assurer la sécurité sanitaire de notre pays depuis le mois de janvier. À vous, policiers, gendarmes, de décréter qui a le droit de circuler ou non et d'infliger des sanctions financières qui mettent en péril les ménages les plus fragiles mais n'atteignent pas les puissants. Ces mesures vont encore une fois aggraver le fossé entre ceux qui se sont engagés pour servir leur pays et leurs propres concitoyens, donner lieu à des confrontations qui favorisent la stigmatisation d'une partie de la population. La réalité est toujours la même. Ceux qui nous dirigent sabordent nos services publics, détruisent des milliers d'emplois, créent de la souffrance et de la violence, encouragent les divisions pour venir ensuite y répondre. Pour y répondre. Pour ensuite y répondre par des entraves à nos libertés et en renforçant la répression. Et tout cela au bénéfice d'1% qui, lui, s'enrichit en permanence. Ne croyez pas qu'il est simple de désobéir. Faire preuve de discernement en usant de son bon sens critique et de sa conscience est déjà en soi un acte courageux. À tous les policiers et gendarmes, vous avez une responsabilité. Être bienveillant envers nos concitoyens est un acte de résistance face à ceux qui ne cherchent qu'à nous diviser. Mais le président est très riche, comme l'a dit ton ami Hollande, on sait
descend dans la rue, elle a envie de te parler. Toi, tu nous as pas entendu, on va venir te chercher. Nous sommes tous les gilets jaunes, plus solidaires que jamais. Dans la voix du peuple résonne, les murs tremblent à l'Élysée. Dans le nouveau Robin des Bois, tu as supprimé les 7. Pense à ceux qui n'en ont pas pour augmenter toute leur richesse. Ta vie prendra descend la rue, on pourrait trouver du boulot. On a quand même un peu vécu, on a vu le caniveau. Nous sommes tous des gilets jaunes, plus solidaires que jamais. Dans la voix du peuple résonne, les mauvais tremblent à l'Élysée. T'as présenté ton bon programme à la campagne présidentielle. Tu t'es même mis sur Instagram avec les infos poubelles. Les diviser pour mieux régner, ça a toujours été votre vie. Mais le peuple s'est révolté, aujourd'hui c'est pour vous la crise. Nous sommes tous des gilets jaunes, plus solidaires que jamais. Quand la voix du peuple résonne, les murs tremblent à l'Élysée. Le baril de pétrole baisse, les carburants sont au plus haut. T'en veux toujours plus dans ta caisse, et tu prends vraiment pour des idiots. Tu as dit qu'ils viennent te chercher, les gilets jaunes, cette mobilise. Le changement va arriver, mais je ne fais pas effet de balise. Nous sommes tous des gilets jaunes, plus solidaires que jamais. Par la voix du peuple résonne, les murs tremblent à l'Élysée. Yeah, man, brother. Respect to the master.